Morgan, allez, Iden, les tisses aujourd'hui, les Lounishmat, Richard, Aaron, Ben Fortune, Mazal, Claudie, Srek, Ben Fortune, Mazal, Dani, Myriam, Bat, Elisa, Sayak. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Souka, Perek Aleph, Mishnah Zain. Tikra, Shen, Alea, Maaziva. Rabbi Yehuda Omer, Bet Shamay Omrim, Mepakpek, Benotel Achat, Mibenotaim. Ou Bet Hillel Omrim, Mepakpek, Onotel Achat, Mibenotaim. Rabbi Meir Omer, Notel achat mi bentaim ve en me pakpek. Mishnah assez difficile à comprendre. Le principe il est relativement simple, seulement ça va un peu partir dans tous les sens. Ce qu'il faut en fait, il faut d'abord rappeler une première machloquette qu'il y avait dans la Mishnah Vav qu'on étudiait la veille de Sukkot. On parlait là-bas, on a vu une machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur celui qui veut prendre pour sa soukha, prendre des tasseaux large jusqu'à 4 tfahim, entre 3 et 4 tfahim. Moins de 3 tfahim, tout le monde peut prendre. D'après tout le monde, ça marche. Plus que 4 tfahim, c'est pas sous la cause de Xerat Tikra. On va expliquer dans 2 secondes c'est quoi. Et entre 3 et 4, il y avait une marloquette. Est-ce que même sur un tasseau large de plus de 3 tfahim, moins de 4 tfahim, est-ce que sur lui aussi il y a un interdit de Xerat Tikra? C'est quoi Xerat Tikra? Il y a... Justement, alors dans notre Mishnah, on va découvrir le principe, comment les maisons de l'époque étaient construites. Pour construire une maison, ils utilisaient, comme en Amérique, par exemple, il y a beaucoup de maisons qui sont construites comme ça, d'où les problèmes d'incendie terribles qu'il y a là-bas, c'est qu'ils construisent avec des poutres de bois, et une fois qu'on a l'armature en bois, on met du ciment. À l'époque, pour construire un parterre, alors ils utilisaient des poutres de bois, donc des tasseaux larges, de moins de 4 tfahim, en l'occurrence, mais plus que 3 tfahim. J'utilisais des tasseaux, il les collait, et une fois que c'était bien construit, bien stable, alors il faisait une coulée de béton sur ça, il mettait du tit ou du tillard, d'accord, du ciment, et il faisait une pellicule, une couche de ciment, comme ça devenait imperméable, et c'était assez solide. Comme ça, il construisait les tikras. Donc là, on appelle tikra, tikra c'est le... Le tikra, c'est le toit. Ça vient entre parenthèses du mot kora, qu'une poutre, ça s'appelle une kora. D'où le mot tikra, même en hébreu moderne, on utilise adatikra, c'est le plafond. Le plafond, parce qu'en fait, c'est ça vient des korotes qui a des kora, une des poutres. Donc une tikra, shen alea maaziva, qui n'a pas sur elle la maaziva. La maaziva, c'est ce que je vous ai dit, c'est le ciment qui versait, la coulée de ciment qui faisait. Donc maintenant, on parle en fait qu'il y avait un toit qui a été construit en guise de maison, en guise de soutien donc pour le ciment, et il n'y avait plus dessus de ciment, soit parce qu'on l'a supprimé, soit parce qu'on ne l'a pas encore versé, peu importe. Pour le moment, en l'état, c'est une soukha psoula. Vous allez me dire, il y a du bois, il n'y a aucun problème, apparemment. Quel problème il devrait y avoir? Il y a le fameux problème de ta'asé velomina souille, essentiellement. Il y a encore d'autres problèmes, mais le plus grave problème qu'il y a, en l'occurrence, c'est parce que... Ouais. Donc, il y a un problème qu'elle n'a pas été faite en guise de soukha, elle n'a pas été faite en guise d'abri, elle a été faite en guise de soutien pour le ciment. Donc, elle est psoula. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont soulevés dans la gma, et je rallonge pas sur le problème, là, mais... D'accord. Donc, on a maintenant un srar qui n'est pas soul. La question, la problématique de notre Mishnah, elle est de savoir, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai ce toit qui n'est pas bon, qui a un problème. Qu'est-ce que je peux faire pour le transformer en soukha? Imaginez, j'avais prévu de construire mon salon. Le toit, il était tombé, je l'ai reconstruit, on a déchiré les poutres. On s'apprêtait à faire la coulée de béton. Je suis parti voir l'entrepreneur, je lui ai dit, attends, on ne fait pas de coulée de béton. 2 minutes, on a pour une semaine chez nous les juifs. C'est soukhot, je vais utiliser ça en guise de soukha. Est-ce que je peux ou pas? Donc, en l'état, je ne peux pas le faire. Il y a un problème, elle n'a pas été faite en guise de soukha. Elle a été faite en guise de maison, et pas en guise de soukha provisoire. Il y a toutes sortes de problèmes, donc c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rendre apte ce toit, tant bien que mal, à le rendre kasher? On a deux procédés qui sont évoqués dans la Mishnah. Un qui s'appelle Mepakpek, et un qui s'appelle Notel Achat Mibentaim. Et il y a une hiérarchie entre les deux. Mais Pakpek, ça veut dire qu'il les fait bouger. Il les soulève, il les remet. Notel Achat Mibentaim, ça veut dire qu'il va supprimer une des deux, et donc il va remplir avec du srar kasher entre les deux.
Le meilleur procédé, c'est le notel achat mi bentaim. Donc, je saute directement sur la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Meir qui nous dit que notel achat mi bentaim. Et on explique à quoi ça sert. Je vous ai dit qu'il y a des poutres. Pardon. Il y a des poutres qui font donc 4 tfachim. 4 tfachim, c'est du srar pasoul, selon Rabbi Meir. Du coup, elles sont toutes collées. Tu dois supprimer une d'entre elles. En fait, on parle que c'est un peu plus espacé. D'accord ? Donc tu vas supprimer une d'entre elles. Pour le moment, on a un toit qui est majoritairement vide. On a Ramato, Meruba, Mitsilato. On a un toit qui est majoritairement vide. Donc pour le moment, il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de soukha. Tu prends du srar kacher et tu mets sur ce toit. Et dans ce cas-là, il va s'avérer que il va y avoir majoritairement du srar kacher. Puisqu'en fait, on avait imaginé que c'était un petit peu espacé, d'accord ? On va vulgariser un petit peu le principe. Imaginez que c'était un peu espacé. Vous supprimez maintenant un tasseau sur deux, avec les petits trous qu'il y avait, les petits espaces qu'il y avait entre les deux, par exemple, il va s'avérer qu'on va avoir 55% de vide et 45% avec le srar pasoul. Donc la soukha, pour le moment, elle a plus de lumière que de srar. Elle est complètement... ça s'appelle pas une soukha. Maintenant, sur ça, tu vas rajouter du bon srar, du toit, du srar kacher. Dans ce cas-là, elle va être couverte à 55% avec du srar kacher, c'est parfait. Tu as atteint le quota, tu as atteint ce qu'il fallait. Donc la soukha, elle est devenue kacher. Ça, c'est le meilleur procédé pour résoudre tous les problèmes. Ça, c'est selon Rabbi Meir. D'accord ? Ça, c'est le procédé de Notel Achat mi bentaim. Il prend une d'entre elles. Et comme ça, quand il va couvrir le srar kacher, il va avoir majoritairement du srar kacher. Il y a encore un deuxième procédé qui est discuté. C'est le principe de mes pakpek. Les pakpek, alors je vous explique, c'est un principe qu'on retrouve dans plein d'endroits dans soukha. Celui qui a construit une soukha qui a eu un problème de tassé velomina souy. Par exemple, on va prendre le cas où, vous vous rappelez, on avait vu dans une mishnah antécédente, on avait vu que, par exemple, quelqu'un qui avait pris une branche d'arbre, qui était encore attaché à l'arbre, qu'il a couché sur le srar. Il avait un beau palmier qui était à la hauteur de sa soukha. Il a pris, il a fixé la branche de palmier, mais la branche de palmier est encore attachée à son arbre. Pour le moment, le srar, il n'est pas saoul, parce qu'il faut forcément quelque chose qui a été coupé. Après, on avait appris que si, par t'es coupé la branche, et ben la soukha, elle est encore invalidée. Pourquoi ? Parce que il n'a pas fait la soukha. Il a marqué, il faut faire la soukha. Et pas se retrouver dans une situation où on a un srar kacher, mais qui n'a pas été activement fait. Passivement, tu t'es retrouvé avec un srar qui était fait passivement. D'accord ? Faire une soukha, ça veut dire que tu mets des murs, et dessus tu mets un couvercle. Si pour le moment tu as mis un couvercle qui n'est pas un couvercle kacher, donc pour le moment il y a un problème, il n'y a pas de soukha. Tu vas extérieurement faire une action qui est complètement indirecte. Passivement, il va s'avérer que ta soukha est devenue kacher, c'est pas kacher. C'est le même principe, vous vous rappelez, je vous avais expliqué, c'est le même principe que le tzitzit. Imaginez qu'on a votre tzitzit qui s'est déchiré, le coin qui s'est arraché. Vous savez quoi, le canaf du tzitzit, la tresse du tzitzit, elle est sortie. Ça s'est déchiré jusqu'au bout. Vous allez le reprendre, vous allez le remettre, et puis après vous allez refermer l'habit. Vous avez apparemment extérieurement un tzitzit qui est parfait, ça a été très bien fait, mais c'est pas bon. Parce qu'il faut que, quand tu as un habit, ton habit à quatre coins, tu dois tresser, il faut faire le tzitzit, et pas se retrouver avec un tzitzit qui a été fait passivement. Faire le tzitzit, ça veut dire que tu prends un habit à quatre coins qui a imposé du tzitzit, et tu lui tresses. Même principe avec la soukha, tu dois faire une soukha. On apprendra encore une autre solution, encore quelqu'un qui avait un tas de foin, qui a creusé par en dessous, il a fabriqué une soukha sans avoir posé le srar. C'est aussi un problème de tzitzit, mais ce sera une prochaine Mishnah. Très prochainement, je crois. D'accord ? Donc c'est le principe de tzitzit. Je reviens maintenant sur notre Mishnah. Je reste maintenant sur la branche de palmier. La branche de palmier, elle a couvert la soukha. Je l'ai coupée, elle n'est pas encore cachère, ma soukha. Pour que je rende ma soukha cachère, qu'est-ce que je dois faire? En théorie, je dois détruire et reconstruire. C'est pas la peine d'en faire autant. Tu as une autre solution. Tu prends un bonjour, tu la soulèves et tu la remets, t'as fini. Donc celui qui se retrouve avec une soukha à soukhot, qui a été mal faite, c'est rapporté par exemple dans l'alaha pour celui qui a... Quelqu'un qui a mis 4 poteaux, il a mis tout le srar, après il a monté les murs. Il y a une marque. En tout cas, on tient à la raque, il ne faut pas le faire. Il y a un problème de tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as mis maintenant tes murs,
tu prends ton sarr, tu le soulèves. Chacune des branches, elle doit être soulevée à plus de 3 tfachim et reposée. Tu reposes, tu soulèves, tu soulèves, tu soulèves, tu soulèves. C'est quand même plus facile que de te défaire et que de te remettre. Même principe ici. On a encore la solution. On a les tasseaux, selon Rabbi Yehuda, les tasseaux, ils sont cachers, parce qu'ils sont que 4 tfachim, ils ne sont pas plus. Donc ils sont cachers. Seulement, ils ont été mal mis. Ils ont un problème de tasseau, une assouille. Ce que tu fais, tu les soulèves et tu remets. Un après l'autre, tu soulèves, tu remets, tu soulèves, tu le mets, tu remets. Tu as fait comme ça tout le tour, ta soukha est kshara. Ça, selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ce procédé. Pourquoi Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ce procédé? C'est comme la Mishnah précédente. Parce que selon Rabbi Meir, quand tu as un tasseau qui est large de plus de 3 tfachim, il est invalidé. Il n'y a rien à faire. Tu vas le soulever, tu vas le remettre, mais ça ne sera pas soul. Donc tu dois forcément le supprimer et mettre à la place du srar kasher, de manière à ce que tu vas avoir majoritairement du srar kasher. On a expliqué 80% de la Mishnah. Ils montrent juste l'histoire de Beth Shammai et Beth Hillel selon Rabbi Yehuda. C'est plus délicat. C'est moins compliqué, mais ça va alourdir. Je ne peux pas vous donner 70 notions, et puis après, avancer la Mishnah, ça va être trop lourd. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va expliquer maintenant la Mishnah. On va mettre l'accent sur Beth Hillel selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi Meir. Après, on expliquera un petit peu mieux la marloquette entre Beth Hillel, Beth Shammai et Beth Hillel selon Rabbi Yehuda. D'accord? C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, il y a une certaine marloquette entre Beth Shammai ou Beth Hillel. Mais de cette marloquette, Rabbi Yehuda déduit que, tu vois bien que j'ai raison, qu'un tasseau de moins de 4 tfachim, c'est cacheur. Et Rabbi Meir va nous dire, non, il n'y a qu'une marloquette entre Beth Shammai ou Beth Hillel, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Tout le monde est d'accord que cette soukha est invalidée. Et on explique maintenant. Tikra, Shen, Aliyam, Asifa. On parle d'un plafond qui a plus de ciment. Donc il reste juste les poutres qui devaient soutenir le ciment. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, Beth Shammai Yom. Selon Rabbi Yehuda, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai Yom Rim, mais pas que Venotel Achat Mi Bentaim. Selon Beth Shammai, il faut, littéralement, il faut soulever chacun, et en plus de ça, supprimer un des deux. Ça veut dire, tu as en fait 20 poutres dans toute la largeur, et ben, tu supprimes 10 poutres, et les 10 autres poutres, tu dois les soulever. Donc c'est pas exactement ça. Pour le moment, j'avance. Et Beth Hillel Yom Rim, mais pas que Venotel Achat Mi Bentaim. Selon Beth Hillel, selon Rabbi Yehuda, il faut être mépakpek ou bien notel achat mibentaim. Selon Rabbi Yehuda, il m'a dit, tu as deux solutions pour rendre kasher ta soukha. Soit les 20 poutres, t'en supprimes 10. Donc tu as majoritairement du vide, tu remplis avec du srar kasher entre les deux. Ça s'appelle notel achat mibentaim. Ou bien même si tu veux, tu apportes rien de l'extérieur, tu utilises ces poutres-là, tu les soulèves toutes, une après l'autre. Une après l'autre. Mépakpek, tu les soulèves. D'accord? Tu se lèves et tu reposes. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Il s'avère donc que, puisqu'on parle d'une poutre qui est entre 3 et 4 tfachim, qui a 4 tfachim donc, et il s'avère que d'après Rabbi Yehuda, tu vois bien que Beth Hillel, il pense comme moi. Voilà ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir lui rétorque et lui dit Rabbi Meir, Omer, notel Rabbi Ben Taïm, Ben Mepak Pek. Je ne sais pas ce que tu racontes, Beth Shammai et Beth Hillel. Moi, j'ai jamais appris qu'il y avait une marloquette entre les deux. Et tout le monde pense que notel Rabbi Ben Taïm, Ben Mepak Pek. Tu dois soulever une d'entre eux, une sur deux, tu supprimes, tu prends une des deux et tu la supprimes, donc sur les 20 poutres, tu n'en as que 10, et sur ça tu remplis avec du vide, tu remplis avec du srar kasher, mais tu ne pourras pas, avec mes pakpek, tu ne pourras pas te contenter de soulever et de reposer, parce que le srar, il est de toute façon invalidé, parce qu'il est plus de, parce qu'il a 4 tfachim, d'accord? Donc en fait, cette marloquette-là de la Mishnah Zayn, c'est comme la Mishnah Vav. C'est juste qu'en fait, ils viennent se justifier. Il y avait une marloquette là-bas sur les poutres qui avait 4 tfachim. Rabbi Yehuda les validait et Rabbi Meir disait que ce n'était pas kasher. Dans cette Mishnah, Rabbi Yehuda il vient se justifier en disant « Regarde, Beth Hillel, il pense comme moi. » Et Rabbi Meir lui dit « Il n'y a aucun Beth Hillel, moi j'ai jamais appris qu'il y avait une histoire pareille. Je ne lis pas les mêmes journaux que toi. » D'accord. Ça, c'est le principe général de la Mishnah. Un petit détail maintenant, c'est mieux comprendre l'histoire entre Beth Shammai et Beth Hillel selon Rabbi Yehuda. Là, c'est plus tellement compliqué. C'est très simple. En fait, selon Rabbi Yehuda, Beth Shammai pense effectivement comme Rabbi Meir. Il pense juste qu'il faut noter la Rabbi Bentaim. Il faut juste supprimer une des deux. Quand il y a marqué Mepakpek venotel la Rabbi Bentaim, il faut à la fois soulever et en plus de ça prendre une des deux. En réalité, la Gemara explique qu'il faut dire comme ça. Afalpiche pikpek notel la Rabbi Bentaim. Moi, si tu as soulevé et t'as reposé, ça ne marche pas. Il faut nécessairement en prendre une sur deux. Il ne faut pas faire les deux. Il ne faut pas être Mepakpek. Et en plus de ça, supprimer une de deux, il faut tout simplement supprimer une de deux. Il vient Rabbi Beth Shammai dire, bien que tu aies été mes pakpek, malgré tout, je t'impose de prendre une des deux.
Parce que moi, l'essentiel, c'est de prendre une des deux. En fait, Rabbi Yehuda, hein, c'est vicieux ce qu'il fait à Rabbi Meir. Il vient lui dire, Rabbi Meir, waouh, c'est super ce que tu racontes, Rabbi Meir. Que tu dis qu'un srar qui fait 4 tfachim, c'est pas saoul. Tu sais, c'est qui pense ça? C'est Beth Shammai. Mais nous, on tient l'alra comme Beth Hillel, qui nous dit que ça marche. Et Rabbi Meir va rétorquer en lui disant, aucune discussion d'après tout le monde. On n'impose que de prendre notre alra comme Beth Hillel. Vous avez compris? J'espère que ça a été. Je récapitule ultra rapidement. Donc en fait, on parle qu'on a, prenez l'exemple de 20 poutres qui font 4 tfachim de large. Selon Rabbi Meir, on a un srar qui est invalidé, pour le moment, d'après tout le monde, pour le moment, la soukha en l'état, elle est psoula. La question, elle est, comment valider cette, comment rendre cachère cette soukha? Selon Rabbi Meir, l'unique solution, c'est de prendre 1 sur 2 et de remplir avec du srar cachère. Selon Rabbi Yehuda, effectivement, Beth Shammai pense que c'est la solution, mais on a Beth Hillel qui propose de faire autre chose aussi. C'est de soulever chacune des poutres et de les remettre à sa place, puisque les poutres qui font 4 tfachim sont soi-même du srar cachère. Quel est ton problème? Qui sait pas, il y a un problème de tasse volumineuse. Oui, résous le problème en soulevant et en reposant et tu as résolu le problème. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de salakha.